Bonjour à tous et à toutes, ici Ami de The Gamer du 76, on se retrouve sur Saint Seiya Awakening, la version globale. Nous avons une bannière spéciale, un petit peu comme là sur la SEA, mais c'est vraiment lié à comment s'appelle Saga des Gémeaux. Alors, bien sûr, comme tout le monde connaît un petit peu le manga, c'est Saga qui se cache derrière le grand pop. Bien sûr, après l'avoir assassiné, je pense que ça doit être ça. Evil Saga, c'est sa version maléfique. Là, nous avons Canon des Gémeaux, donc hein, c'est le frère jumeau de Sagat. Là, ici, nous avons Canon du Dragon des Mers, hein, qui est lié avec Poséidon. Et là, nous avons bah, Saga, hein, Saga des Gémeaux, hein, voilà, le Chevalier d'Or. Attention! Donc pendant l'événement, Saga des Gémeaux, Canon du Dragon des Mers, Saga le Maléfique, Canon des Gémeaux, le Grand Pop ont deux fois plus de chances d'être invoqués. Saga le Maléfique et Canon des Gémeaux, donc celui-là et celui-là, ne seront pas disponibles avec les autres chevaliers avancés et d'invocation. Moi, ce qui me manque, c'est le Canon des Gémeaux. Et malheureusement, j'ai investi énormément sur Yoga GC, qui au final j'ai fini par avoir. On a à nouveau Cosmos Memphis qu'on va aller voir, La Volonté des Étoiles saison 4 et Chasseur de Trésors saison 3. Ah, on a l'armure RC de Sia de la Flèche d'Or. Ça, ok. Un pharaon du Sphinx amélioré, disponible d'abord en duel sacré. Ok, donc apparemment Pharaon, ça risque d'être le prochain personnage, puisqu'il est disponible en duel sacré. Free pack for everyone. Ok, ça c'est cool ça. On a un pack gratuit pour tout le monde. Serveur E et serveur A. Alors par contre, moi je ne sais plus dans quel serveur que je suis. Alors tout simplement, mon petit popoto. Info. Merde, c'est pas marqué là. Dans les serveurs où je suis. Bah non, c'est pas marqué. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Bon, bah tant pis. Voilà. Bon, néanmoins, on va aller récupérer déjà ça. On va découvrir un petit peu cette mise à jour. Récompense de compensation 200. On prend bien sûr. Voilà. Parce que si les choses gratuites qu'on a récupérées, c'est à une certaine heure, va falloir faire très attention. Événement. Horoscope du quotidien. Récupérer des ressources. Rien de bien intéressant, hein, quelques petits stuff, voilà, par-ci par-là. Ok, donc ils nous ont remis ce truc-là. Ça permet de récupérer quand même des gemmes avancées. Alors, regardez, vous en avez 20 ici. Vous avez des diamants, vous avez pas mal de trucs. Récompense de carnaval du Black Friday. Collection tous les jours. Ok, donc ça c'est du 25 au 28. Vous avez une box pour 2 CA de la Flèche d'Or. Et vous avez. Ah non, on en a. Attendez, c'est quoi ça? Coupon du Black Friday. Chasseur de trésors. Ok, on en a 12. Là, on en a 5. Et si vous faites 80 d'activités quotidiennes, vous avez 2 gemmes avancées limitées. Moi, ce que je cause, qu'on conseille de faire, c'est de les cumuler. C'est grâce à ça que j'ai pu choper le Yoga GC. Promesse divine. Guide stellaire. Ok. Ok. On a un petit peu pareil dans les deux versions. Bénédiction de la lumière stellaire. Bon, ça, je prends, mais je crois que c'est pour monter. Je sais plus si où dans le machin. Jumeau prédestiné. Remis sur l'augmentation de niveau. Ok. Augmenter n'importe quel chevalier. Voilà. Connexion mensuelle. On est à 25 sur 26. Donc, demain, il y a le skill tome bleu. Hein, voilà. Ils n'ont pas des chars. Donc. Connectez-vous quand même demain si vous avez cumulé comme moi. Ah bah oui, c'est vrai, attendez. Ah bah je suis sur le serveur E. Voilà, tout simplement. Moi, je cherchais, 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 puis je ne trouvais pas. Puis voilà, bah, j'ai la réponse serveur E. Donc en dehors de ça, on avait dit qu'il y avait un nouveau cosmos. Alors je vais vous montrer quand même que je l'ai bien eu, hein, le yoga. Donc voilà, Canon des Gémeaux, je ne l'ai pas. Le Balron Lune, je ne l'ai pas. Ah oui, il m'en reste quand même pas mal. Canon des Gémeaux,
Garuda, je ne l'ai pas. Le Baron Lune, je ne l'ai pas. Et Shiryu GC, je ne l'ai pas. Mais le Yoga du Cygne, voilà, je l'ai. Le Yoga GC, franchement, il est tombé. J'ai cumulé les machins que j'ai récupérés au fur et à mesure dans la roulotte, hein, enfin la roulette qu'il y avait eu la semaine dernière. Et là, vous voyez bien que dans les données du jeu, le prochain personnage sera Pharaon du Sphinx. Voilà. Donc, je verrai pour faire une. Dans le prochain Saint Seiya Sanctuary News, la description des fichiers, enfin au niveau de ses compétences. Cosmos. Alors, Memphis, c'est ça. Alors, niveau critique, plus 200. Niveau critique physique et effet critique physique. Donc, ça, c'est très très bien pour des personnages un petit peu. Alors, attendez, parce que moi j'ai un petit peu des trous de mémoire. En physique, bah vous avez Aiolia du Lion, voilà. Vous avez Seiya de la Flèche d'Or, Aiolos du Sagittaire, Doko qui est vraiment physique, et bien sûr bah, Seiya en armure divine hein, qui est vraiment très très physique. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un Cosmos qui va être très très utile pour ces personnages-là. On va aller voir un petit peu là-bas ce qui se passe. J'ai 13 gemmes avancées. Je vais pas aller loin et en sachant que là, normalement, il me manque 15 à faire pour pouvoir choper le S garanti. Mais voilà, moi j'aimerais bien c'est choper des charts et je vais aller voir un petit peu dans les invocations. Qu'est-ce qu'on peut choper? Attendez, il y a un problème là. Promesse divine. Alors, on n'a rien quand on fait des invocations? Attendez, là, il y a un problème là. Événement. Attendez, ils sont sérieux ou il y a un bug dans le jeu là ou quoi? Chasseur de trésors. Ok, j'en ai 5 là. Bon, déjà, je peux en faire un ici. Voilà. Attendez. Non? Ah si! Ah si, ouf! Mais là-dedans, c'est du quoi? Canon des Gémeaux, l'amitié et l'autre. Éclat. Donc on peut avoir aussi des éclats de canon des Gémeaux quand même dedans. Mais on n'a pas de shards à proprement parler de personnages. Donc ça fait un petit peu comme sur la SEA. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner sur la version globale. Il y a très peu de nouveautés, hein, honnêtement. On va même aller voir dans le magasin si on n'a pas la boutique de Pandore. Il me semble qu'on l'a eu la semaine dernière, la boutique de Pandore. On n'a rien dans les packs. Est-ce qu'on a des trucs offerts? Des trucs avec des diamants achetés? Non, on n'a rien. On n'a absolument rien du tout. Bah écoutez, moi je vais farmer aussi cet événement-là. Hein. Je vais faire un petit peu le truc. De toute façon, il y a beaucoup de choses entre Seven Deadly Sins et Saint Seiya. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Je vous invite à aller voir la vidéo d'invocation que j'ai faite exceptionnellement pour le portail sur Escanor The One. Et vous allez être surpris. Vous allez être très, très être surpris. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis bonne fin de matinée. Bon appétit si vous mangez, hein, bien sûr, en famille. Hein. Puis restez prudents, bien sûr, avec toujours ce virus hein, qui est toujours d'actualité. Allez, à bientôt.